Un tram passe, des voitures, des parents avec leurs enfants. Je pourrais presque vivre là, dans cette ville nouvelle où bien des gens ont déjà échoué. On teste une application qui s'appelle Géolecture, qui permet de se promener tout en lisant un texte que j'ai écrit. Donc pour pouvoir lire les chapitres de ce texte, il faut être à l'endroit où je les ai écrits. Autrement, tu ne peux pas les lire. Donc c'est une lecture et une balade en même temps. Pour écrire, pour rêver, je dois toujours m'asseoir. Ainsi, mes déambulations me guident de lieu en lieu. Pendant mes transhumances, j'enregistre mes impressions que je restitue une fois le port atteint. C'est ma façon d'écrire originelle, ça. J'ai commencé à écrire quand j'avais 17 ans, j'ai écrit des carnets. J'ai tenu des carnets de voyage énormément, j'en ai fait. Donc j'ai l'habitude, mais c'est vrai que mes bouquins publiés, il n'y en a aucun qui sont dans ce style-là. Oui. Sur mon blog, je publie des carnets, mais dans mes livres publiés, non. Non, parce qu'en fait, c'est les éditeurs, ils veulent pas trop ça, je crois. Et du coup, ce lien avec le numérique, toi, tu l'as amené comment? Comment ça t'est venu à l'idée? Donc ça m'est venu en jouant à Pokémon Go et Megaman. Il y avait des gens de tous les âges qui se parlaient et qui partageaient. Oui. Ah, il faut aller là-bas, j'ai vu un truc, allez-y là-bas, vous allez trouver. Et donc je me suis dit, c'est là que j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais ça serait super si il pouvait y avoir la même chose pour lire un des textes. C'est bien de ne pas être resté dans la vieille ville qu'on connaît bien, on connaît tous les points importants. C'est bien justement d'avoir montré un peu les marges. Je reviendrai avec mon époux, oui, et peut-être même mon petit-fils, parce que je trouve ça très sympathique, très amusant. Et les textes, quand ils nous relatent un petit peu d'histoire du lieu, je trouve ça très intéressant. Surtout que ce sont des petites anecdotes. Je suis en terra incognita. Cette partie de la ville a poussé sans que j'en prenne conscience. Je débouche au bord d'un bassin. La perspective s'élargit et s'illumine. Je reconnais sur la droite la nouvelle mairie de Montpellier. Et tout autour de moi, des bâtiments d'auteur égale, mais d'architecture variée. Je m'assois sur un banc, devant des canards, des cygnes, des ragondins, qui se donnent des airs de castor. À Montpellier, j'avais un usage hyper utilitaire. C'est-à-dire, tu rendez-vous à tel café, tu vas à tel café. J'ai jamais flâné à Montpellier. Alors qu'à Paris ou dans toutes les villes où quand je suis fait le touriste, je flâne. Il faut changer son cerveau, se dire là, je suis en voyage et je décide de voyager dans la ville où j'habite. Et tu peux le faire. Tu te rends compte que tu peux voyager partout, quoi.